Ouais, bien joué. J'ai l'impression que le jeu d'Améline, c'est pas vraiment déréglé. Ah ouais. Ouh, il est beau celui-là. Donc toutes les filles qui la jouent, bah, elles espèrent bien, bien la battre. Elles vont jouer leur meilleur tennis. Donc c'est pas facile pour elles. Ouais, beau revers là. Gicle. Oh là là. Ouh, bon retour. Ouais, bien joué, bonne couverture du filet là de la part d'Amélie Mauresmo. Premier passing sur le deuxième. Là, regardez, elle choisit complètement le long de ligne. C'est parfait. Et là, elle est bien présente. Avantage. Dommage. Ouais, c'est bien joué ça. C'était très très bien senti, mais quelle couverture de terrain de la part de Tatiana. Avantage. Ouais, beaucoup de culot hein, de la part de Tatiana Golovin. Bah, c'est ce dont on parlait hein, tout à l'heure. Une grande maturité. Regardez là, elle couvre bien le terrain à la volée. Ça c'est bien ce slice, bien utilisé. Un jeu qui a duré 12 minutes, extrêmement disputé. Ah oui, bien joué. Oui, bien joué ça. Voilà. Et voilà, Amélie Mauresmo qui fait le break. Ouh, bien joué ça. Oh là là, comme tout à l'heure, hein, sauf que c'était de l'autre côté. Voilà, elle sauve cette balle de break, comme tout à l'heure, dans le jeu précédent. Bien joué, ça vient d'attaquer. Et oui, vous voyez, une petite deuxième balle. Bien joué ce revers en ligne, elle aime bien le faire hein, celui-là. Ouais, ah, bien veut, remis hein. Encore hein, de la part d'Amélie. Mademoiselle Mauresmo. Ah ouais, belle réaction là de Tatiana Golovin avec cette...
Ouais, bien joué. Que c'est beau. Il suffit tout simplement qu'elle soit un petit peu plus agressive, hein, tout simplement pour remettre à niveau son jeu. Ouais, bien servi, deux bonnes premières. Bien enroulée, hein, cette balle. Il manque un petit peu là, d'agressivité, hein, Milly. Hein, sa montée est un petit peu trop courte. Ah oui, parfait, son revers. Avantage, mademoiselle Moresmo. Ouh, bien joué. Égalité. Oui. Ouais. Oh, oh là là. Incroyable, parce que là l'attaque était vraiment très 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 timide de la part de Tatiana Golovin, elle le sait d'ailleurs. L'effet grand chelem. Ouais, bien joué. Et il peut y avoir là maintenant une réaction un peu d'orgueil là d'Amélie. Okay, ouais, c'est parfait. Bien joué. Extrêmement difficile, notamment celle-là, à remettre. Ah oui, bien joué ce petit coup croisé, décroisé, on va dire. C'est vraiment parfait, une bonne longueur dès le retour. Et derrière, regardez ce petit coup là, décroisé, court. Ouais, bien joué ça, belle finition. Exceptionnel ce point, exceptionnel. Elle sert le point justement Amélie Moresmo, parce qu'elle a dû se battre. Le lobe de Tatiana était formidable. Celui-là. Et surtout, elle remet ce revers très agressif, hein, Amélie. C'est là où on voit. Elle peut rien faire. Et c'est l'avantage d'avoir un revers à une main, hein, pour le coup. Ouais. Allez, superbe le passing, elle venait de loin, de trop loin, Amélie. Il est en train totalement de s'équilibrer. Ouais, bien joué. Et elle s'en sort bien, parce qu'à nouveau, elle venait de loin, hein, Amélie.
Oh là là, ouais, c'est bien joué, c'est bien joué. Ouais, là, là, c'est un revers vraiment où elle a mis du poids et de la longueur, Amélie. À nouveau le break, incroyable, incroyable ce match entre Amélie Mauresmo et Tatiana Golovin. Amélie Mauresmo qui menait 5-0, qui a eu 5 balles de 7. Ouais, parfait. Ouais, bien joué. Ça faisait longtemps que ça lui était pas arrivé. Ouais, parfait. Elle, bien joué, là, elle fait bien jouer. Ouais. Ouais, parfait. Elle a retrouvé son timing au filet. C'est quand même un point qu'on peut... Elle a bien manœuvré. Bien joué le contre-pied. Elle a très bien manœuvré effectivement cet échange. Par Amélie. Une double faute qui permet à Tatiana Golovin de faire une fois de plus le break. Et c'est un tie break justement auquel on va assister maintenant. Oh, ça c'est tactiquement parfaitement joué. Hein. Elle fixe Amélie sur le coup droit. Et dès qu'elle a la bonne balle, revers. Et même psychologiquement, hein, on a l'impression là, sur cet échange, en tout cas que la patronne, c'était Tatiana avec les grands arrondis de... Ouh. Ah, pardon. C'est pas loin. Hein. Ah oui, magnifique. Il est beau ce revers slicé. Ah oui, là. Voilà, bien joué ça.
2-3 coups là. On a senti qu'elle retrouvait un peu son timing, notamment un coup droit puis un revers enchaîné. Ouais, bien joué. Elle est prudente, hein, quand même. Elle ne prend pas beaucoup de risques. On va le voir, là, ce sera ralenti. Ah, c'est ce revers là, hein, qui lui fait plus ou moins gagner le point. Il est court. Regardez, Tatiana, elle est... Tatiana Golovin, elle va chercher les points, elle n'hésite pas. Ouais, ce lob était raté, mais là, il faut la remettre, hein, cette balle. Celle-là aussi, qui est sous le filet. Elle était trop prudente cette fois-ci. Amélie Mauresmo, et l'exploit est créé par Tatiana Golovin, sa maman est folle de jeu évidemment, elle était menée 5-0 et elle remporte cette première manche au tie-break face à la numéro 2 mondiale. Un peu de pub, mais on se retrouve juste après, à tout de suite. Et oui, elle a eu 5 balles de 7, Amélie. Oh là 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 là. Là maintenant, Tatiana, je peux vous dire qu'elle va jouer libérée, hein. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est super, voilà, voilà. Le volet bien claqué. Ouh là là, parfait ça. Elle est là. Oh là là là, bien joué. C'est une démonstration. Ah oui, belle volée. 0-30. Ah oui, là il est mieux parti ce coup droit. 15-40. Ouais, ça c'est bien. Ouais, bien joué. Même si Tatiana avait vu cette balle dehors. Superbe, elle a pris son temps, hein, pour faire ce passing. Un jeu partout qui fait le break à son tour. C'est important, hein, qu'elle rebreak là tout de suite, Amélie. Ouais, bien joué ce coup droit, bien avancé. Thank you.
Ah oui, superbe. On finit un petit peu par prendre la balle plus tôt, là, Amélie, quand même, dans cet échange, alors qu'elle était loin derrière sa ligne. Alors, ouais. C'est bien joué, hein, c'est parfait. Et autant les revers d'Amélie sont... Ouais. Mais on peut voir quand même que Tatiana Golovin, tactiquement, elle la joue bien. Elle joue beaucoup le coup droit. Elle fixe énormément Amélie sur le coup droit avant d'aller sur le revers. Ouais, mais comme elle joue un peu en arrière, Amélie, bah, elle a du mal à jouer plus attaquer. Allez, dehors. Oh là là. Et vous avez vu la position de Tatiana Golovin qui était... bien avancé dans le cours, qui agresse véritablement Amélie Mauresmo. Il y aura donc forcément une finale 100% française demain, lors de ce 14e Open Gaz de France. Ouais. Elles auraient sûrement laissé passer le premier set. Bien attaqué. Ah, cela dit, hein, tout à l'heure, Virginia Ruzici, juste avant ce match, me disait. Bien joué, ça. Ouais, ouais, bien joué, superbe service volé. Une merveille, ce point. Il y a une hésitation du juge de ligne, mais qui finalement a annoncé cette balle dehors. Et oui, longue cette deuxième balle de Tatiana Golovin. Ouais, c'est ouais, voilà un bon coup droit là. Bien joué ça, ce service volé. Et voilà Amélie Mauresmo qui remporte son service. Et là, elle se contente hein, de mettre la balle pile. Elle a joué le revers là. Quel court réflexe incroyable d'Amélie Mauresmo, mais quel sérieux, quelle application de Tatiana Golovin. Elle aurait pu être déstabilisée par le coup qu'on va voir là ici au ralenti. Réflexe assez incroyable d'Amélie, en plus ça a dû donner un effet un peu bizarre à la balle. Ouais. Eh bien non, elle reste concentrée. Il n'y a pas de panique hein, chez Tatiana Golovin. Oh, qu'il est important ce point. C'est d'une grande intelligence hein, ce que fait Tatiana Golovin. Là, elle n'a pas hésité à revenir sur le revers encore. Terrible. Oh là là. Là, elle ne sait plus quoi faire. Hein. Là. 40-30.
Une balle de match pour Tatiana Golovin. Ça fait 3 ans qu'elle est sur le circuit. Là, pareil, hein, comme sur le, comme sur, le point. C'est elle qui subit. Ouais, bien joué. Et voilà Amélie Mauresmo qui redresse la barre dans ce deuxième set. Ouais, bien joué. Et là, on va peut-être voir une autre Amélie Mauresmo libérée, plus libérée. Même s'il y a encore du chemin à faire. 15-0. En 2-7, hein, pas tout à fait 2-7. Bien collé au filet. Ouais, bien joué. Bien joué ça. Il y a plus de cadence dans le jeu d'Amélie Mauresmo maintenant. Elle dort la balle d'Amélie Mauresmo. Oh là là. Ouais, bien joué, ce coup droit, bien contré là. Oh qu'il est beau ce coup droit. Nouvelle balle de 7. Ah ouais, c'est ouais, bien avancé. Joué. Bien avancé. Elle est furieuse Tatiana, elle a perdu... l'occasion de remporter le match tout à l'heure. Et c'est maintenant Amélie Mauresmo qui remet les compteurs à un 7 partout. Un peu de pub et on revient juste après. À tout de suite. Ah oui. 15-0. Oh oui, fallait oser, hein. Fallait oser d'abord la volée de revers lifté. Ouais, bien servi. Et ça permet à Amélie de remporter le premier jeu de cette troisième manche. Ouais, là elle répond avec plus de... Thank you.
Ouais, magnifique. Ah, une double faute. Oh là là, elle remet la Tatiana dans le match. Ouais, parfait. Bien joué. Ah ouais, ouais, parfait ce slice là. Ouais, puis elle partait. Elle tente quand même quelque chose de difficile à Tatiana Golovin, un court croisé sur une balle haute comme ça au centre. Ah, dommage, dommage parce que c'était très bien servi. Sur Tatiana Golovin là. Parfait. Bien joué. Superbe ce retour gagnant de Tatiana Golovin. Ouais, bien fait ça de la part de Amélie. On a eu au début de la rencontre et on a encore un nouveau pour Amélie. Ouais, ouais. Bien joué ça. Ah oui, bien répondu là, de la part de Tatiana Golovin. Ouais, bien servi. Parfait. On la sent quand même un peu retenue, hein, Amélie. Hein. Il n'y a pas d'agressivité même au niveau. Ouais, magnifique. Elle a pu couper la trajectoire, intercepter cette balle. Oh là là, magnifique! Ah oui. Bien joué. Bien maîtrisé parce que l'amorti. Ouais, bien joué, ah, ça. Magnifique. Superbe. Je sais pas. Cette balle de match qui reste du côté de Tatiana Golovin. Mais elle s'en sort bien, Amélie, là. Ouais. C'est toujours bon de gagner quand on joue mal. Elle a eu très chaud et en tout cas, on peut vraiment féliciter Tatiana Golovin. Ouais, superbe match. Qui a fait un match remarquable. Elle a été menée 5-0 dans le premier set. Elle a fini par remporter ce set. Et elle a eu une balle de match dans le deuxième. Elle a un tout petit peu craqué finalement sur cette balle de match. Ce revers qui va rester évidemment un peu dans sa mémoire, mais il faut qu'elle s'en débarrasse parce que. En ce moment, elle a une confiance qui lui permet, même en jouant mal, bah, finalement de s'en sortir. Et demain, face à Mary Pierce, ce sera la revanche de la finale du Masters, Corinne. Et comme d'habitude, Jérôme, vous me passez la parole quand le public se déchaîne, comme d'hab. Amélie, j'avais envie de vous dire, les deux autres matchs, je suis venue en vous disant le score ne reflète pas la partie. Là, je pense que le score reflète parfaitement la partie. Oui, match très difficile, très accroché.
On va dire que j'étais pas à mon meilleur niveau aujourd'hui, mais il faut, voilà, et dans ces cas-là, il faut savoir se battre, il faut savoir jouer avec les moyens du bord, ce qui est pas toujours évident, mais c'est ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui, même si je suis pas passé loin d'aller vers la sortie dans cette demi-finale. Donc voilà, je suis un peu fatiguée, mais je suis surtout contente dans des conditions difficiles où j'évolue pas à mon meilleur tennis, à mon meilleur niveau. De savoir quand même aller au bout et aller chercher la victoire. Il y a une balle de match contre vous, c'est l'expérience qui fait que vous restez sereine, vous restez calme, c'est les victoires peut-être aussi qui fait que vous remettez complètement dans le match et que vous faites ce que Tatiana a fait hier à Nadia Petrova. Oui, je crois sûrement un petit peu d'expérience parce que sur cette balle de match, on la voit, elle s'écroule complètement sur son revers. Et puis c'est vrai que moi je l'avais évidemment déjà breaké avant, donc je me disais allez, c'est peut-être le moment, c'est peut-être la dernière chance et sûrement la dernière chance que j'aurai, donc il faut essayer d'aller la chercher. Et puis finalement ça s'est fait, mais dans la douleur. Demain, cinquième finale ici à Coubertin face à quelqu'un que vous connaissez aussi super bien, Marie Pierce. Ça va être une revanche pour elle et pour vous, peut-être un petit peu de confiance avec ce public qui est fantastique avec vous. Mais c'est vrai que on se connaît très bien avec Marie maintenant. C'est bien qu'on se retrouve dans les finales, dans les grandes finales, à ce niveau-là de la compétition. Je pense que c'est bien pour le tennis féminin français. Et puis maintenant il va falloir récupérer quand même de ce match-là. Parce qu'elle, elle a un tout petit peu moins puisé dans ses réserves. Donc voilà. Pour revenir un peu sur le match aujourd'hui, je crois que vraiment sans le public, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile. Il m'a semblé aussi que le deuxième set sans le public aurait été très 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 difficile. J'espère qu'il sera derrière vous demain, il sera aussi derrière Marie Pierce. Il sera partagé, ce qui est normal, mais c'est bien comme ça. J'espère retrouver, en tout cas j'aurai la meilleure à mes côtés, et puis celle avec le petit trophée, mais je sais que vous avez fait une promesse l'année dernière au public, et vous n'avez plus qu'à la tenir maintenant. Il faut aller au bout, ce sont des matchs difficiles, mais il faut donner le maximum, donner tout ce qu'on a, puis on verra. Je crois qu'on aura deux excellents joueurs sur le terrain demain, ce sera un match difficile, et puis on verra. Merci beaucoup Amélie.